Vive le vent, le refrain en deuxième position. Et quelques petits trucs pour mieux y arriver. Quel vent? Je vais commencer par te parler des coups d'archet que j'ai déjà indiqués quand j'ai joué la mélodie en première position, avec les cordes à vide de là qui claquent un petit peu. Je vais te mettre la vidéo quelque part. Dans le petit i. On aura besoin de quelques retours d'archet, c'est-à-dire quand on aura le soupir et qu'on sera arrivé à la pointe, on va revenir se placer au talon. Et aussi, on a besoin de bien organiser notre archet pour le début, quand on chante Vive le vent, vive le vent. Noir, noir, peu d'archet, et ensuite blanche, tout l'archet. Ensuite noir, noir, peu d'archet, mais cette fois à la pointe. Et ensuite blanche, tout l'archet. Voilà qui est dit pour ton archet. Concernant la deuxième position, tu la connais. Tu peux avoir comme repère en deuxième position le deuxième doigt que tu vas placer là où tu mettais ton quatrième doigt en première position. Ici, sur la corde de Ré, mon Sol, je vais le jouer parfois quatrième doigt, parfois deuxième doigt en deuxième position. N'hésite pas à bien vérifier la justesse de ce sol quand tu le joues, soit avec la corde à vide de sol que tu as sur le violoncelle, l'octave en dessous. Sol, sol, on l'entend bien. Soit si tu n'es pas sûr, avec un accordeur ou un autre instrument, si tu as un clavier chez toi et que ton violoncelle est accordé comme le clavier. Dans cette deuxième position, on va avoir besoin du sol deuxième doigt, on vient de le voir, du fa dièse premier doigt et du la quatrième doigt. Tu peux bien sûr vérifier la justesse du la aussi avec la corde à vide qu'on a juste à côté. Cette fois, elle n'est pas à l'octave, c'est exactement la même hauteur de son. Commençons. On commence donc sur le fa dièse en deuxième position. Il est prêt. Je retourne en première position pendant ma corde à vide pour jouer mon mi. Le sol quatrième doigt cette fois. Cette fois, on va chercher le la non pas en corde à vide, mais en deuxième position. Il sera plus doux. Et on recommence comme au début. On est prêt? Cette fois, on va directement chercher notre sol en deuxième position. On retourne en première position.